Bonjour, Jean-Philippe Cognard, enseignant agroéquipement au lycée Lucie Aubrac d'AgroBio Campus. Je vais vous parler de l'atelier machinisme. Cet atelier vous permettra de vous familiariser avec le matériel vitivinicole afin de réparer, concevoir et entretenir en toute sécurité. L'atelier travaille en étroite collaboration avec l'exploitation, le domaine des Poncetti, les concessionnaires et les fabricants de matériel. Parlons maintenant des agroéquipements au travers des formations à Davayé. Tout d'abord avec la classe de 3e. Avec cette classe, nous découvrons les métiers de l'agroéquipement. Nous participons à l'entretien du parc équipement de l'atelier et de l'exploitation. Nous modifions du matériel. Nous créons des adaptations pour les différents matériels et nous fabriquons des équipements et matériels pour l'atelier et pour l'exploitation. Passons au bac pro conduite et gestion de l'exploitation vitivinicole. Avec cette classe, nous réalisons la maintenance de premier niveau, le travail des métaux et l'apprentissage de la soudure. Les élèves assure l'entretien des automoteurs et les matériels de l'exploitation vitivinicole, participe au montage et au réglage des équipements sur tracteurs enjambeurs, et enfin assure la gestion du parc de matériel disponible sur l'ensemble de l'exploitation. Passons aux classes de BTS viticulture œnologie. Hormis le principe de fonctionnement des différents équipements de l'exploitation vitivinicole, ces classes participent également au montage et au réglage des différents matériels au travers de travaux pratiques et d'études théoriques en salle de cours. Passons au BTS TSMA. La particularité de ce BTS, technicien service en matériel agricole, option viticole, est réalisé en partenariat avec le lycée René Cassin de Mâcon. Il est ouvert une année sur deux. La prochaine rentrée pour cette classe se fera en septembre 2021. Dans ce BTS, nous voyons essentiellement les particularités de la conduite mécanisée de la ligne avec la mise en œuvre des équipements et la conduite des équipements en situation. Passons aux particularités des agroéquipements dans les formations à Davayé. Depuis déjà quelques années, les élèves de Bac Pro CGEVV, de Bac Pro TCBVS et de BTSA Vitiuno participent à la formation attestation Valencasses concernant les chariots élévateurs de la recommandation 489 de catégorie 3. Pour les Bac Pro CGEVV, une formation à la conduite en sécurité des tracteurs enjambeurs est assurée dans le cadre de l'enseignement à l'initiative de l'établissement. Enfin, pour la rentrée 2020, une nouveauté au lycée Lucie Aubrac en partenariat avec la plateforme Viticon. Le bac pro CGEVV pourra prétendre à la mention tractoriste si l'élève aime le travail en autonomie, le contact avec la nature, travailler dehors et la conduite de matériel. Cette mention lui permettra de devenir un vrai professionnel de la conduite des matériels viticoles, présentant un véritable plus sur son CV.